Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisqu'on fait un petit tuto pour refaire cette maison moderne qu'il y a devant vous. Donc en 1.13.2, sans pack de textures. Donc déjà, je vois tous les petits ravis qui sont sur PS3 ou console, qui n'ont pas trop accès au pack et qui galèrent un peu. Ou ceux qui veulent le refaire en survie, qui vont être contents. Donc voilà, cette petite maison moderne assez sympathique. Elle n'est pas très longue à faire, voilà, j'avais envie de changer un petit peu. C'est pas la reprise des tutoriels, hein, c'est juste pour faire une petite coupure de tout ce qui est ville et autres builds, voilà. Donc on va commencer par prendre des planches de chêne et on va tout simplement faire une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en largeur par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va refermer de l'autre côté, comme ceci. Devant, vous devez obtenir un petit carré, donc sans la ligne blanche ici. Enfin, un carré pas fermé encore pour l'instant. Ensuite, derrière, pour le mur de la maison, pour vous montrer la longueur, ici, à partir de ce petit carré, vous allez faire dépasser deux blocs. Alors, dans le sens que vous voulez, hein, c'est de l'autre côté, c'est comme vous voulez. Deux blocs, et on va faire une ligne de 20 blocs. Hop. À la ligne de 20 blocs, vous allez arriver exactement à ce bloc noir, que je place ici. À ce bloc noir, on va monter de 9 de haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça sera la hauteur de notre maison. Une fois qu'on a ces 9 de haut, on va faire la profondeur qui elle est de 10 normalement. Je vais recompter avec vous. Donc je compte toujours le premier bloc ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, parfait. Ce qu'on va pouvoir faire une fois que ça c'est fait, bah, c'est relier tous nos murs ensemble. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Et maintenant, on va s'occuper un petit peu de la pantie devant, qui lui, du coup, fait 4 de haut, normalement. 3, 4, ouais, c'est bien ça. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est monter tout ça de 4 de haut. On va placer nos fenêtres après. Comme ceci. Vous pouvez, bien évidemment, changer la couleur du bois si celui-ci vous déplaît. Vous pouvez prendre du bois noir, ça peut marcher aussi, ça ressortira bien sur le blanc. Je voulais faire quelque chose de très peu contrasté. Ok, quand ça c'est fait, on va mettre des dalles au milieu pour faire notre toit. Comme ça, en mettant des dalles, on va gagner un petit peu en hauteur. Ça évitera, en un bloc plein, ça fait juste 3 de haut, alors que là on gagne un petit peu. Donc du coup, on a l'impression d'avoir un plafond un peu plus haut. Voilà, après c'est vous qui voyez si vous voulez mettre des blocs pleins ou pas. Parce que en mettant des blocs pleins, ça vous permet de poser des choses sur le toit. Ok, donc ça, une fois que c'est fait, et ben c'est assez simple. On va venir faire une petite terrasse qui fait la largeur de cet appentis avec un décalage, enfin un demi. Donc en gros, on va passer une demi-dalle ici, qu'on ait une demi-dalle de décalage ici. Alors placez-la pas en haut, hein, placez-la bien ici. Et on va venir jusqu'en face de la maison. Vous voyez, ça s'arrête pile en face du mur. Hop, donc on va faire ça tout le long sur la largeur du bâtiment. Voilà. Voilà, parfait, quelque chose comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement placer une barrière que je viens de récupérer juste à l'angle de cette dalle pour faire notre petit pilier de soutien, comme ceci. Et ce que je vais faire, moi, pour continuer, c'est que je vais monter toute notre maison. Donc, c'est très simple. En fait, il vous suffit tout simplement de monter tout en rond, hein. Vous faites un vulgaire carré jusqu'en haut, jusqu'au 9 de haut. Et au-dessus, on y rajoutera un toit en dalle juste après. Donc les amis, je vais aller faire ça hors caméra parce que ça va être assez long et on se retrouve tout de suite. Ok, re tout le monde. Donc voilà, le carré de la maison est terminé. Donc vous voyez, pour mes tutos, moi je fais ça comme ça. Je trouve ça plus simple que de dire faut une vitre à tant de blocs, faut une vitre ici, faut une vitre là. Hop, on fait un vulgaire carré et ensuite on met les détails. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre un toit en dalle de boîte de chêne. Hop, avec un contour de 1. C'est-à-dire qu'on va dépasser de 1 dans le vide histoire de faire un petit rebord de toit. Hop, alors c'est pas facile de voir où est-ce qu'il faut s'arrêter parce qu'avec le blanc, on voit rien. Alors je vais mettre le toit avec vous. Enfin du moins je vais essayer. Parce que les dalles c'est quand même assez délicat à poser. C'est pas toujours facile. C'est pas pire que les vitres hein, mais c'est pas facile. Hop. Pareil bien évidemment hein, je l'ai pas précisé. Si vous voulez changer la couleur du toit vous pouvez totalement. Il y a absolument... moi je mets cette couleur mais vous pouvez très bien changer les couleurs. Hein. Bon après je sais que les tutos les gens regardent surtout pour la forme de la maison. Et puis suivant comment c'est expliqué. J'espère que ce sera bien expliqué. Parce que les tutos, j'avais arrêté pour ça également, parce que ben, il y a toujours des gens qui sont là en train de se plaindre. Ouais, c'est mal expliqué et tout, on comprend rien, machin.
Après, il y en a, ils cherchent pas vraiment à comprendre. Il y en a qui me disent, ouais, des fois, on voit pas quand tu fais ça, ça va trop vite. Bah écoute, sur YouTube, tu as une fonction qui est super qui s'appelle pause, où tu peux même mettre au ralenti. Hein? Moi, il y a des fois où je faisais ça. Il y a des fois où on voyait mal des tutos quand j'ai commencé Minecraft. Et bah, je mettais, enfin, pas quand j'ai commencé Minecraft parce que ça n'existait pas. Mais des fois, ça m'arrive. Je regarde des constructions, puis je me ralentis pour voir comment les gens font, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. On va pas ouvrir ce débat. C'est un débat qui concerne les gens sur YouTube et qui est malheureusement assez long. Hop, allez, on va finir de mettre ça. Ensuite, on va s'attaquer tout simplement aux vitres, aux petites décos. Vous verrez, les vitres, c'est quelque chose de très simple à mettre. Voilà, nickel. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va se munir de deux choses. Donc là, c'est un peu le fouillis de mon inventaire. On va prendre du béton gris, du béton cyan, excusez-moi. Et on va prendre des vitres noires. Tac. Et on va les placer à 4 du bord. Ouais, c'est ça. Donc vous comptez 4 blocs du bord. 3, 4. Donc au cinquième, vous faites un trou. Voilà, comme ceci. Et il faut qu'il y ait une de neige ici, une bande. Voilà. Ensuite, on met nos 4 vitres. Et ici, on vient se mettre une petite bande de terre cuite grise. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4. Au cinquième, on fait un trou. Et par contre, le béton, cette fois-ci, on va le mettre de ce côté. Voilà, ici. Tac, voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre les fenêtres. Donc, on en a une en bas. Alors, celle du bas, elle est placée pareil, il me semble, à 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. La bande grise est de ce côté. Voilà. Donc, vous comptez 4 blocs. Vous mettez votre bande grise à la cinquième et ensuite 4 vitres. Ensuite, sur le côté de l'autre, bah, sur le côté de l'autre côté, oui, forcément, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. Au cinquième, on met la bande grise avec nos 4 vitres. Et pour les fenêtres du dessus, on va aller voir ça tout de suite. Ok, en fait, il y en a deux qui sont exactement au même endroit que celle de devant. Donc, c'est pas compliqué du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, j'ai même pas. Alors, je me paye la façade, ok. J'ai même pas vous le montrer. Vous comptez 3. 4 et au cinquième, vous faites votre trou. Elles sont exactement en face de celles qu'il y a sur le devant de la maison. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, on fait le trou. Tac, 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 et tac. Voilà, nickel. Alors les étages, je tiens à préciser qu'ils ne sont pas mis. Hein, c'est à vous de le mettre où vous souhaitez. Voilà. Donc ici, on va mettre la fenêtre au milieu. Donc il faut compter tout simplement 1, 2, 3, 4 blocs. Et au cinquième, on fait un trou ici de 2 de large par 3 de haut. Et c'est rempli de chauves-souris. Ensuite, au sol, ici, on va mettre des petites planches. Et on va venir poser nos fenêtres dessus. Voilà. Et là, ça vous fait un magnifique aquarium à chauves-souris. Voilà. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va mettre le sol pour terminer. Enfin, pour terminer, et puis la piscine. Alors, il y en a une petite ici aussi. J'allais la zapper, celle-ci. Hop, donc elle est à 2. Hein, elle est pile au milieu. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà, nickel. Nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre sol en bois. Donc je vais faire la délimitation avec vous. Ici, c'est très simple, c'est rempli. Tac, tac, tac. Et là, on arrive sur 2 de large. Donc 2 de large ici. Donc on va aller tout droit pour que ça délimite. Hop. Et là, je sais plus sur combien j'ai fait. Voilà, j'ai fait sur 3 de large. Et ça va jusqu'au bout de la maison. Donc ici, au bout de la maison, en fait, vous faites 1, 2, 3 et vous reliez à votre carré. Ok les amis, je vais mettre mon sol en bois et on se retrouve tout de suite pour faire la piscine. Ok, re tout le monde. Donc pour la piscine, on va faire un contour de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'on va commencer juste en face ici. Donc on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Ici, on va faire le contour en blanc. Donc on creuse tout le long. Tac, 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 tac. On vient mettre nos blocs ici, forcément. Histoire que ça fasse une petite délimitation. Là, je vais rien vous apprendre, mais on va faire exactement la même chose. On va essayer de s'arrêter pile en face. Voilà. Tac, tac, tac. Donc c'est du béton blanc, toujours. Et ici, donc on a une piscine qui fait 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 de large. Donc on va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on vient raccorder tout ça. Voilà. Ici, on va creuser. Et la piscine s'arrête juste au bout ici. Donc au bout de la maison, en gros, là où s'arrête, enfin là où plutôt où commence la petite terrasse en bois. Hop, on va relier tout ça. Et ensuite, on va passer la nuit. Voilà, comme ceci. Et là, ça vous fait vraiment the piscine devant la maison. Donc voilà, assez cool. Allez, petite commande, voilà, parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se faire un petit bac à fleurs au fond. Donc, on va faire un bac. Alors, il fait, je sais plus quoi, il fait 2 de large. Donc, ça, c'est très simple. On va venir ici monter un mur de 1 de haut. Ici, on va mettre deux blocs. Et on va venir. Enfin, trois blocs, excusez-moi. Donc, le bac fait 4 de large. Et ici, on va revenir tout simplement fermer. Voilà, juste comme ça. Juste comme ça, on va ensuite mettre les fleurs dedans. Alors vous mettez ce que vous voulez. Hein. Allez. Pour le tuto, on va alterner pivoine, fougère. Voilà, quelque chose comme ça, c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est le plus amusant en survie, ou même pour moi qui n'ai pas World Edit, c'est creuser la piscine de 2 de profond. Voilà. En mettant du béton blanc partout pour faire les côtés de la piscine. Donc les amis, je vais aller virer tout ça et on se retrouve tout de suite pour finir ce petit tutoriel. Ok, re tout le monde. Bon voilà, piscine creusée. Donc en fait, faut creuser sur 3 de profond, bien évidemment. Enfin, je ne l'ai pas précisé parce qu'il y a 2 de profondeur d'eau, mais il y a le sol encore à mettre. Donc le sol, ça va être de l'argile, enfin du béton gris plutôt. Gris ou cyan. Non, de la terre cuite cyan. Pourtant, ça ressemble vraiment à du gris. C'est pour ça que je dis gris à chaque fois, mais en fait, c'est cyan. Hop, histoire qu'on ait un sol de piscine qui ressorte un petit peu. Si vous le souhaitez, vous pouvez, alors ça c'est en plus, je ne l'ai pas rajouté mais je vous le dis, vous pouvez mettre des lumières au fond, ça fera assez joli la nuit. Voilà, après si vous êtes en survie, ça peut être sympa, en créa peut-être un peu moins. Mais voilà, en survie, vous pouvez un peu vous la péter, voilà, j'ai ma piscine éclairée et tout, ça peut être sympathique. Voilà. Hop, je vous conseille par contre de mettre des lanternes, parce que si vous mettez de la luminite, ça va faire vraiment super moche. Alors si vous mettez des lanternes marines, ça risque d'être un peu plus joli. Ok, allez, on finit le petit fond de piscine ensemble, on met l'eau et puis ben, on se laissera là pour ce tuto. Je vais vous montrer quand même comment on met les 2-3 décorations. Voilà. N'oubliez pas, pendant que je mets ça, si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir les vidéos, ce qui est le cas actuellement, vous le faites assez bien, donc je vous remercie. Vous pouvez aller voir une petite pub sur Utip, enfin une petite pub, 2 ou même 3, ça dépend des jours. Il n'y en a pas tout le temps la même quantité disponible, c'est normal. Moi, ça rémunère 2 fois plus qu'une pub YouTube, même 3 fois plus. Parce que les pubs YouTube, contrairement à ce qui se dit, c'est pas bien rémunéré. C'est plutôt 1 centime par viewer, donc c'est vraiment pas énorme, et encore ça dépend des pubs. Donc voilà, vous pouvez aller le faire, ça me fera super plaisir, et vous pouvez, pour ceux qui veulent faire plus, laisser même un petit like sur la vidéo. Voilà. Allez les amis, on met l'eau dans la piscine, parce qu'une piscine sans eau, c'est embêtant. Donc pour mettre l'eau, on fait tout le tour, et vous allez voir après, c'est magique. Normalement, les sources se mettent, si elles veulent se mettre, bien évidemment. Alors si vous êtes en survie, bon courage pour la remplir parce qu'il va vous falloir un paquet de sources d'eau. Alors vous faites une source infinie, c'est vrai, je suis bête. Vous pouvez faire une source infinie. Hop, ici on va se mettre un petit tremplin, enfin plongeoir avec 2 dalles, 3 dalles plutôt. Et pour mettre toute l'eau partout, eh ben, on va mettre des sources d'eau au milieu comme ceci. Voilà, ici on va faire la même chose. Et ensuite on va repasser tout le ton. Tout le temps, tout le long. Voilà, vous repassez tout le long avec votre seau d'eau. Et vous voyez, hop, magie. Tout se met. Est-ce que là, on va être bon? On va en mettre un peu. Tant que l'eau coule dans tous les sens, vous voyez, tant que vous avez des sources qui bougent comme ça, c'est que c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, c'est que ça va faire très, très moche. Et on en a une petite dernière ici. Une petite rebelle. Voilà, nickel. Allez les amis, on va mettre 2-3 décos. On va se faire des transats en bois noir. Donc il faut escalier, dalle. Il vous faut trappe, les rosiers. Et on va prendre aussi la terre. Voilà. On va prendre aussi ça. Donc très simple, transat. Hein, on va en mettre 2 ou 3. Tac, comme ça en décalé. On peut se mettre un peu de déco ici. Tac, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on va faire la petite entrée ici. Donc, on va tout ouvrir sur toute la hauteur. On va juste laisser
Ouais, deux blocs ici. On laisse deux blocs ici, on met une rangée de cyan, comme ceci ici, et on met tout simplement des vitres noires ici, avec bien évidemment le sol qui va bien. Ensuite, on a une petite entrée ici, bah, c'est la même chose qu'en face. Voilà, on met des vitres ici. Et voilà, et là ça vous fait une belle maison. On va refaire le petit arbre parce que je suis quand même sympa. Alors l'arbre ce sera pas le même. Ah voilà, moi je le mets ici. Voilà, pour les arbres, moi je fais des choses un peu biscornues comme ça. Et ensuite on fait des feuilles, on va dire, qui tombent au-dessus de l'eau, comme ça je trouve ça joli. Enfin c'est joli, mais en vrai dans une piscine c'est pas joli du tout. Ça ferait que juste une chose, c'est mettre des feuilles partout. Donc voilà, c'est joli, mais en vrai ce serait pas tellement sympa je pense. Voilà. Voilà, on va rajouter un peu de verre ici. On peut se rajouter un truc. Oh, c'est bien comme ça, c'est bien. Écoutez les amis, on va se quitter en shaders, que ce soit plus joli. D'accord, on va remettre le jour. Je ne quitterai pas cette vidéo tant que... Voilà, nickel. Ok, donc après vous pouvez rajouter de la déco, hein. Le principe c'est que voilà, votre maison est faite. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!